l'assistance de m'excuser. Je suis né à Bougie. Je suis un Kabyle pur sucre. J'ai été élevé à Annaba à partir de l'âge de 3 ans. Et j'ai fait mes armes ici en Wilayakat, où j'ai été blessé 13 fois. 13 fois pour la libération du pays. Je suis malheureux et peiné de ne pas pouvoir communiquer avec vous dans ma langue maternelle. Ça me promet. Mais je tiens à vous préciser, et je crois que je ne suis pas le seul cas, face à notre pièce d'identité, où c'est marqué nationalité en face algérienne. Je suis algérien et ça me suffit. Maintenant, mon assistance, moi je voudrais m'adresser surtout aux jeunes, pas aux vieux qui m'énervent, aux jeunes. Pour leur dire que vous habitez dans un pays où si le courage devait être exploité comme matière première, on serait les plus riches du monde. Je tiens à vous dire que, contrairement à ce qu'on a voulu nous enseigner, la France est venue nous civiliser en 1830 avec 37 000 soldats, baïonnettes au canon. C'est pas avec des livres, c'est pas avec des poèmes. Et il y a des gens, à l'heure actuelle, qui disent que De Gaulle nous a donné l'indépendance. Non! De Gaulle, nous l'avons connu deux fois dans notre histoire. Deux fois. Le 8 mai 45, il nous a coûté 45 000 morts. En 58, il nous a coûté les plus grandes opérations militaires. Charles. L'Algérie a payé un prix très cher pour sa libération. C'est pour ça que je milite et militez avec moi pour dire, nous voulons que l'histoire de notre pays soit écrite avec un stylo sur une page blanche, c'est pas avec une gomme. Oui, l'histoire s'écrit avec un stylo sur une page blanche, c'est pas avec une gomme. Jusqu'à présent, on a écrit l'histoire avec une gomme. C'est une terre qui a donné dans le dernier combat 1,5 million de martyrs. Oui, 1,5 million de martyrs. 8 000 villages rasés. France, elle parle d'Oradour sur Glane. Un village. On a 8 000 villages rasés. Les prisons de France et de Navarre et de l'Algérie étaient pleins de patriotes. Les camps de regroupement et de concentration étaient sur tout le territoire algérien. Oui, la frontière tuniso-algérienne était fermée à double barrage. Maurice Charles
Maurice et Charles, ainsi que la frontière algéro-marocaine. Oui, nous avons payé un prix très cher et nous le devons à notre peuple. L'héroïsme de notre peuple, l'héroïsme de notre peuple, retenez-le, c'est d'avoir mis cette armée de 700 000 hommes, 1 million de pieds noirs. Elle a utilisé toutes les armes possibles et imaginables, sauf la bombe atomique, elle n'a pas pu l'utiliser contre nous. Et le peuple algérien a mis cette puissance coloniale, la quatrième puissance mondiale, appuyée par l'OTAN, dans l'impossibilité de remporter une victoire militaire sur le peuple algérien. Voilà l'héroïsme de vos parents. Ils ont mis dans l'impossibilité. Ils ont mis dans l'impossibilité l'armée coloniale, puissante, la quatrième puissance mondiale, dans l'impossibilité de remporter une victoire sur le peuple algérien. Le peuple algérien, ce grand maréchal, moi je l'appelle maréchal, vous êtes les enfants du maréchal Algérie. Chose, après l'Algérie indépendante, j'ai vu une pièce où un comédien dit, Anna Baba Mahouch Moudjahed. Anna Baba normal antique. Nal Wildik. Tout le monde était là. Le peuple algérien a mis cette armée colonialiste à devenir putschiste, où l'État faisait des coups d'État. De Gaulle est venu en 58 sur un coup d'État. De Gaulle a essuyé sept attentats. C'est que non. Voilà où la résistance de vos parents a amené cette puissance à abdiquer. Ils disent qu'ils ont gagné la guerre, mais que De Gaulle nous a donné l'indépendance. Alors, Charpi, montrez-moi une wilaya qui s'est rendue. Une seule sur le territoire national. Ils ont laminé les maquis avec leur force. Nous avons changé de tactique. C'était plus des katibas, c'était plus des bataillons, c'était plus des sections. Mais il y avait des groupes un peu partout, protégés par vous, par vos parents. Hezoras comme il y a bien un rab, Hezoras comme. Je suis aujourd'hui avec vous. J'ai rien préparé. Si j'avais préparé, la wilaya 3. J'ai fait des actions en wilaya 3. J'ai fait entre Omar Drah al-Mizan une embuscade où j'ai récupéré une mitrailleuse 30. Et une vingtaine d'armes. J'ai fait une embuscade à Naf Ibn Khalfoun, où j'ai récupéré une quarantaine d'armes et de fusils mitrailleurs. J'ai participé
l'ANAF, l'accrochage, le 6 janvier 1959, avec des katibettes, Ta'ala Wilayatra aussi, où le sinistre, le violeur de nos sœurs, capitaine Karajani, a été tué. Femme, la wilaya 3, c'est une wilaya extraordinaire. Elle nous a donné les calmes en wilaya 4. Wamanan, ninja. C'est Sadr, ninja. C'est Mohamed, ninja. C'est Lakhda, ninja. Etc. etc. Zahmoum, ayez wakhdi, rien ne sait. Si ça, Zahmoum, Allah yarhamou wa rahmatillah, un grand homme, tana, ninja. Alors, soyez frères, soyez fiers de votre Algérie, et dans cette Algérie, il y a la wilaya 3. Vive l'Algérie entière, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham shuhada.